fait peur. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis élève ici, tu te rappelles? Je voulais dire si tard. Je suis allé voir la répétition, pourquoi tu n'y étais pas? Je fais les costumes, je ne joue pas. C'est ce que j'aime chez toi. Tu es ce que tu es, tu ne fais pas semblant d'être autre chose. Waouh. Où est-ce que tu vas? Arrête. J'étais venue chercher mon livre de chimie, maintenant je rentre. Tu avais envie de me voir ce soir? Non. J'avais envie de te voir, moi aussi. Tu t'es montré si gentille l'autre soir. Ça suffit, tu me lâches maintenant. Va-t-elle? Est-ce que je peux la voir? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Physiquement, les médecins disent que oui. Mais émotionnellement, ça va être difficile. Elle aura besoin de beaucoup de soutien. Le docteur Carter est attendu à l'accueil. Vous voulez attendre un peu avant d'y aller? Non. Le docteur Smith est attendu de toute urgence en réanimation. Le docteur Smith est attendu de toute urgence en réanimation. Kelly? Maman! Oh, chérie! Il faudrait que tu répondes à quelques questions. Tu crois que tu en auras la force? Je crois que tu vas pouvoir. C'est la première fois que tu voyais cet homme? Non. Tu le connaissais? Il est dans ma classe. Yann Hall au bureau du proviseur. Yann Hall. Quoi encore? Tu ne veux pas que j'appelle tes parents, Yann? Vu les circonstances, il serait préférable de contacter un avocat. Non, ça va. Je n'ai rien à cacher, je n'ai rien fait de mal. Kelly Young dit que tu l'as violée. Oh, n'importe quoi. Est-ce que ça veut dire que tu ne l'as pas vue hier soir? Non, je l'ai vue et on l'a fait, mais il n'y a certainement pas eu viol. Était-ce la première fois que Kelly et toi aviez des relations sexuelles? Non, madame. Hier soir, se pourrait-il que Kelly t'ait dit non? A-t-elle résisté, essayé de se débattre? Kelly, résister? Non, d'habitude, c'est plutôt elle qui cherche. Elle pense qu'à ça, et pas qu'avec moi. Ce genre de fille a un clin d'œil et elle vous suit. Vous voyez? Non, je ne vois pas. Ben, Kelly est une sorte de pute. Maman, j'ai pas envie. Tu dois manger, Kelly. Retrouver tes forces. Pourquoi? Parce que il va falloir se battre. Maman, le mal est fait. Comment veux-tu te battre? Je voudrais dormir, mais chaque fois que je ferme les yeux, c'est Yann que je vois. Je sais. Je voudrais pouvoir effacer tout ça, chérie. Je voudrais que papa soit là. Moi aussi. Tu crois qu'il aurait fait quoi? Tuer. Il aurait essayé de le tuer. Je te promets une chose. Je ne vais pas le lâcher. Il sera puni, je te le jure. Que va-t-il se passer? Yann va-t-il être arrêté? Ce n'est pas aussi simple, Diane. Je ne comprends pas. Ma fille a été violée et nous savons par qui. Yann Hall soutient que Kelly était consentante. Mais ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Il dit aussi qu'il a déjà fait l'amour avec toi. Oh, c'est insensé! N'est-ce pas, Kelly? Et il affirme que tu as eu des relations sexuelles avec plusieurs autres garçons récemment. Est-ce la vérité? En partie, oui. Explique-toi. Il m'a violée, je ne mens pas. Pourquoi j'inventerais une chose pareille? Parle-moi des autres garçons. Est-ce qu'avec eux aussi tu as fait l'amour? Tu dois nous dire la vérité, Kelly. Tu dois tout nous dire. Tu devras le faire tôt ou tard. Si tu veux que je t'aide, j'ai besoin de savoir.
Je voudrais qu'on n'ait jamais emménagé ici. Maman, je la mets où celle-là? Oh, on va l'envoyer au garde-meuble. Kelly? Qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures? Toute la vie de mon père tient dans cette valise. Et toi, tu l'envoies au garde-meuble? Non, il n'y a pas grand-chose dedans. C'est pas comme si on la jetait. Maman, pourquoi on ne la garde pas ici avec nous? Parce que ça nous ferait trop de peine de la voir tous les jours. Maman, je veux pouvoir me souvenir de lui. C'est d'accord. On peut peut-être conserver quelques petites choses. Voyons voir. Oh, mon Dieu! Fête des pères d'il y a 3 ans. Souvenir de notre lune de miel. Merci, maman. On y arrivera, tu verras. Je le sais. Oh, tu te souviens de ça? Quel âge avais-tu? 5 ans? 4 et demi, pas plus. Bonjour, Kelly. Entre. Je suis le docteur Waldron, conseillère d'éducation. Tu regardes le tableau? Si jamais tu veux afficher quelque chose, il est là pour ça. Je voulais que tu viennes me voir parce que je sais combien il est difficile de s'intégrer dans une nouvelle école. Arriver à trouver ses marques, faire connaissance avec les autres élèves. Tout me semble normal. Qu'est-ce qui est normal? Devoirs, bouquins, casiers, c'est normal. Je veux toujours rencontrer les étudiants en personne pour leur dire que je suis là. Est-ce que tout va bien? Ça va. Et à la maison? Ça va. Ton père te manque? Comment vous savez pour mon père? C'est dans ton dossier. Il a été tué dans un accident il y a 6 mois, je crois. 7. C'est encore très récent. Ta mère et toi vivez seuls maintenant? Ça doit être dur à vivre. Mais la plupart des gens sont gentils avec toi ici. J'en suis sûre. Je peux y aller? Bien sûr. Kelly, si jamais tu voulais parler, je serai là. De tout ce que tu voudras. Pas seulement de ton père. Merci. Je me ramène demain? J'y vais samedi. Ah, une demoiselle solitaire. Ah, pas pour longtemps. Elle mérite le détour. Ouais, j'attendrai qu'il y ait moins de monde. Ouais, t'as raison. J'ai plus faim. Moi non plus. Tu passes ton assiette? Ah, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que tu fais en chimie? On y va? J'en sais rien, je pense pas ton cahier. Pas le contrôle d'histoire, il était dur. Ah, j'aimerais bien. Tu penses qu'ils ont un soda ou quelque chose comme ça? Tu dessines bien. Salut, je m'appelle Kim. Kim McKay, je suis dans ta classe. Moi, c'est Kelly. Kelly Young. Ouais, je m'en souviens, tout à l'heure, quand on a fait l'appel de ton nom, c'était le dernier sur la liste. C'est toujours comme ça. T'aimes dessiner? Ouais. Des portraits? Quoi? Bah, on dirait que tu regardes les gens et que tu t'inspires de ce qu'ils portent pour créer autre chose. Si tu veux. Des dessins de mode, en fait. Je dessine, c'est tout. Dis-le-moi si je te dérange. Non, pourquoi? T'as l'air si concentré. Bon, j'ai cours, il faut que j'y aille. Ah, moi aussi. On est dans la même classe. Oui. Oh oui, super. Je vous attendrai. Très bien. C'est noté. D'accord, 11h demain matin. Merci, au revoir. Oh, je suis désolée, ma chérie. J'ai été débordée tout l'après-midi. Alors, l'école? Ça va. Avec qui as-tu parlé? La conseillère d'éducation et une fille de ma classe. Et cette conseillère, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle savait pour papa, c'est dans mon dossier. Et elle est gentille? Je crois. Parle-moi de cette fille de ta classe. Écoutez, le voilà. Sympa aussi.
Si tu veux avoir des amis, il faudra être un peu moins renfermé. Je ne saute pas au cou de tout le monde, moi. Excuse-moi. Je ne suis pas comme toi, je ne me branche pas sur les gens comme ça. Et puis, ce n'est que ma première semaine. Tu as raison. Tu as l'année devant toi. Je t'emmène dîner. Tu choisis. Alors, je crois que vous avez un gros problème avec votre dossier en ce moment. Juste, Lily, c'est à vous. Les autres, asseyez-vous. Démétrius, Elena, c'est à vous. Je ne vous aime pas. Cessez de me poursuivre. Où sont Lysander et la belle Hermia? Toi, tu descends par là. Oui, par là. Où sont Lysander et la belle Hermia? Je veux tuer l'un et l'autre m'a tué. Non, non, donne plus. Où sont Lysander et la belle... Où sont Lysander et la belle Hermia? Je veux tuer l'un et l'autre m'a tué. L'autre m'a tué. Plus de cœur. L'autre m'a tué. Vous m'aviez dit qu'il se cachait dans ses non, bois. Non, recommence. Vous m'aviez dit qu'il se cachait dans ses bois. Et me voici aussi stupide qu'une souche. Je n'y vois point ma douce Hermia. Encore une fois, partez, je ne veux plus vous voir. Voilà. C'est vous qui m'attirez par je ne sais quel charme. C'est vous qui m'attirez par je ne sais quel charme. Qu'est-ce que tu penses du contrôle d'histoire de ce matin? Un enfer. Ouais, pour moi aussi. Plus vous me battrez, plus je... Lily et Justin, chaque année, ils ont les rôles principaux. Et moi, chaque année, je suis la pauvre gisseuse. C'est vrai qu'on dirait deux anges tombés du ciel. Je ne veux dans votre cœur que la place... Tu le trouves pas magnifique? C'est à votre chien. Ah, ne mets pas trop à l'épreuve là. Elle veut mon âme, de voir me rendre malade. Ne ris pas, mais pendant tout un été, j'ai allumé une bougie chaque soir. C'était censé le faire tomber amoureux de moi. Ça a l'air sérieux. Désespéré, oui. Je suis allée jusqu'à guetter des heures devant sa maison pour l'apercevoir derrière un rideau. La haine de mon âme te voir me rend malade. Oui, continue. Et moi, je suis malade. Non, je suis loin de vous. Oui, c'est ça. Il s'habille très classe. Vous faites courir un trop grand risque à votre pudeur en quittant... Hé, j'ai une idée géniale. Et en remettant aux mains d'un homme... Tu devrais faire les costumes. Le riche trésor de votre vie. Moi? Faire les costumes? Ouais, et les dessiner. Non, je crois pas. Mais silence-toi. J'ai vu tous les croquis que tu as faits dans la marge de tes cahiers. Je suis pas sûre de savoir le faire. Mais si, tu sauras. Ce qu'il faut, c'est que tu plonges dans l'imaginaire et le rêve. Le songe d'une nuit d'été, féerie magique et légendaire dans un monde de rois et de reines. Hé, hey, salut. Vous faites courir un trop grand risque à votre... Oh, Yann, tu n'as rien à faire ici. Quoi, j'ai le droit d'être là? Non, il répète. Si tu restes, tu te tiens tranquille. Je le suis toujours. Je comprends pas ce que tu dis. Comment pourrait-on dire que... C'est Yann, le petit ami de Lily. Bon, pour les costumes, tu réfléchis et tu me réponds demain. Je cache au fond de cette forêt et je vous livrerai à la sauvagerie des bêtes. Mais non, je te l'ai déjà dit, plus de rage, recommence. Je m'enfuirai loin d'ici, j'irai me cacher au fond de cette forêt et je vous livrerai à la sauvagerie des bêtes. Kelly, à table. Kelly. Je vais peut-être participer au spectacle de l'école. Il va y avoir des auditions. Je voudrais dessiner les costumes. Pourquoi tu ne jouerais pas? C'est bien de jouer. Pourquoi ça ne te plaît pas que je fasse les costumes? Oh, bien sûr, j'en serais ravie. Que tu sois heureuse, c'est tout ce que je demande. Et je crois que tu feras une merveilleuse costumière. Merci. On y va, le dîner est prêt. Lassitude et faiblesse me forcent à reposer en cette couche dure et froide. Mais au point du jour, attends ma visite. Tu retombes. Ô sombre nuit, ô longue et ennuyeuse nuit, que blanchissent les heures, que la douce lueur s'éveille à l'est, qu'elle me ramène vers Athènes en un jour... Vers Athènes. Athènes en un jour radieux, loin de ceux que ma pauvre compagnie outrage. Shakespeare est le poète de l'amour. On a l'impression d'être ensorcelé. C'est le charme de Justin qui t'ensorcelle. S'il pouvait succomber au mien. Tu devrais concocter une potion magique et la verser dans son verre. Bon, déjeunez tout le monde, merci. Merci à tous. Ah. Demandez les nouvelles, faites ce soir au Sailing Club. Réservé aux gens du spectacle. Ah, on y va, ça va être génial. Je t'en prie, Kelly. Ouais. Ouais, c'est chaud.
réservé aux gens du spectacle et à leurs fans en extase. Ouais, super. J'aurais dû mettre un jean. Personne ne s'habille ici. Non, personne ne le fait, mais tu es très belle. Pourquoi? On vient juste d'arriver. Je sais, mais... Hey, vous avez vu là-bas? C'est la nouvelle. Je te jure, je me sens pas bien ici. C'est normal, la fête commence. Faut rester assez longtemps pour apprécier. Écoute, tu restes, je rentre. Si tu t'en vas, qui va me raccompagner? Ouais. Peut-être Justin. Oh ouais, dans mes rêves. T'inquiète pas, je trouverai un chauffeur. Tu es sûr? Ouais, ouais, t'en fais pas, ça ira. Je te vois la nuit. Pourquoi tu restes pas plus? C'est bien, non? Hey! Salut, on s'est déjà croisé. Je m'appelle Yann, Yann Hall. Et toi? Kelly. Kelly, je connais pas de Kelly, tu es ma première. Est-ce que tu pourrais me ramener chez moi? Je me lève tôt, je vais à la pêche demain avec mon père. Tu n'as pas de voiture? Non, je suis venue avec des copains. Alors, c'est vous? Impossible, je suis désolée. Je t'effraie, c'est ça? J'adore ton ensemble, c'est très joli. Les filles ici ne s'habillent pas souvent. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde tes yeux, ils sont splendides. Merci. Tu n'as pas une petite amie? Pas en ce moment. Conduis doucement, Kelly. Je croyais que tu voulais rentrer. Non, plus tard. Alors, où t'en es? Ça va être du gâteau. Ouais. C'est là quand je veux, je me la fais. Oh ouais. Aussi facile que Jackie Needman. Plus facile. Même Paris? Oh que oui. Vous êtes totalement dégénéré. Elle est devant moi comme quille au bowling. Je la vise et... Oh. Je la lance. Strike. Ouais, ouais. Où étais-tu? La répétition a fini assez tard. Et il y avait une fête après. C'est très simple. Si tu téléphones, je ne suis pas inquiète. Si tu ne téléphones pas, il n'y aura plus de sortie. Point. Je croyais que tu avais un dîner avec des clients. Je suis rentrée depuis des heures. Maman, je suis désolée. C'était bien, cette fête? Oui. C'était mieux que je l'imaginais. Tant mieux. Mais je t'en supplie. Oui, je sais, je téléphonerai. Tu peux me passer les coups? Tu peux me passer les coups, ouais. Ouais. Salut. Tu es ravissante. Elizabeth Barrett Browning, comme c'est romantique. Une histoire d'amour. J'adore. C'était bien la pêche hier? Hein? Ah, oh, non, on n'y est pas allé. Pourquoi? Je suis rentré trop tard. Ça te plairait d'aller voir un film ce week-end? Que va dire Lee? Oh, rien, on n'est plus ensemble. Depuis la fête. Raconte. C'est une trop longue histoire. À plus. Oui. Salut. Salut. Will, je te présente Kelly. Elle est nouvelle. Salut. Salut. Will est un as de la formule chimique. On a de la chance de l'avoir avec nous. J'ai eu ma première panoplie de chimistes à 6 ans, fait exploser la maison à 10. J'y ai laissé 3 doigts.
Je vais chercher les éprouvettes. T'as une touche? C'est pas mon type. C'est quoi ton type? Eh ben, je sais pas encore si c'est mon type, mais Yann Hall veut me voir. Yann, Ellie, qu'est-ce qu'elle devient? C'est fini. Yann Hall. Voilà. Tout ce que j'ai à te dire, c'est fais gaffe. Fais gaffe? Oui, bien sûr que je vais faire gaffe. Quoi? Non, c'est rien. Oh! C'est magnifique. Quand tu as connu papa, ça a été le coup de foudre? Tu me poses toujours la même question. Et toi, tu ne me réponds jamais. Lui, il a toujours dit qu'il avait eu le coup de foudre. Oh, ça a été différent pour moi. J'ai appris à aimer ton père au fur et à mesure que le temps passait. Parfois, c'est mieux que d'avoir un coup de foudre. Tu penses que ça existe? Eh bien, je crois que certaines personnes t'électrisent à la minute même où tu les rencontres. Mais souvent, ce n'est qu'une attirance toute physique. Pourquoi? Comme ça. Tu permets que j'aille au cinéma ce soir? Si tu veux. Une seule condition. Si tu rentres tard, tu appelles. Allez, viens, on fait la course jusqu'à l'acheter. Tu es sûre de ne pas être déçue si on ne va pas au cinéma? J'adore la plage. Et surtout la nuit, avec le reflet de la lune sur l'eau et les lumières de la ville, c'est magnifique. Ouais. C'est si tranquille. Bien. Tu m'as plu tout de suite quand je t'ai vue. Je t'avais remarqué, moi aussi. Tu veux bien me prendre dans tes bras? Bien sûr. Qu'est-ce que t'as fait avec Yann l'autre nuit? Rien. C'est pas ce qu'il se raconte. Explique. Tout le monde est au courant que tu es allé avec lui sur la plage. Tu es sorti avec Yann Hall? C'est lui qui me l'a demandé. Rien ne te forçait à dire oui. C'est Rose, c'est normal? Oui, c'est la réaction attendue. Prête? Je crois, mais je sais pas du tout ce que je dois faire. Calculer le taux d'hydroxyde de sodium nécessaire à la neutralisation de l'acide hydrochlorique. Ça se devine? La chimie, c'est sérieux, ça n'a rien d'une devinette. Ô sombre nuit, ô longue et ennuyeuse nuit, que blanchissent les heures, que la douce lueur réveille à l'est, qu'elle me ramène vers Athènes par un jour radieux, loin de ceux que ma pauvre compagnie déteste. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venue prendre tes mesures pour ton costume. Je ne sais pas pourquoi on ne s'est pas simplement contenté de les louer. Je vais commencer par ton bras. Non, pas question. J'ai besoin de tes mesures. Je suis un parfait 36. Je pense que tu devrais arriver à t'en sortir. Je t'en prie, tu deviens ridicule. Je t'interdis de me toucher après ce que tu as fait avec Yann. De quoi tu parles? Tu sais de quoi je parle. Il a dit que vous n'étiez plus ensemble. Oui, c'est vrai. Mais ça n'a pas duré. Je savais qu'il reviendrait. Lee! Salut. Comment tu vas? Bien. Eh, les amoureux, il faut qu'on répète, vous vous bécoterez plus tard.
Bon, les enfants, tout le monde autour de moi. J'ai deux, trois trucs à vous dire. À toi en particulier. Je veux que le texte soit sûr au rasoir, c'est compris? Quant à toi, j'aimerais assez que tu tiennes compte de ce que je te dis aux répétitions. J'ai chiffré le budget des costumes, mais ça va coûter au moins 300 dollars. Alors... Hein, tu ferais aussi bien d'aller à la Kelly baisse. Justin, je veux plus de passion. Passe. Bon, à tout à l'heure. Hey, c'est quoi cette histoire? Tu m'avais dit qu'entre Lee et toi, c'était terminé. Oui, on s'est remis ensemble. C'est arrivé comme ça. Arrivé quand? Ce matin. Attends. Merci de m'avoir prévenu. Hé, hey, hey, Kelly. Attends, tu sais que je t'aime bien. Te fâche pas. Tu m'as massé pour coucher avec moi. Hé, toi aussi, tu t'es éclaté. Tu m'as même dit que c'était bon. Toi aussi, tu voulais. Oh, Yann, ce que je voulais, c'était pas seulement coucher avec... Au revoir. Oh, ça te chauffe. Qui tout double? Je me l'ai fait avant une semaine. Tu crois? Oh, ouais. Oh, désolé, je savais pas que t'étais là. C'est pas grave. Je dois étudier pour un contrôle. J'allais partir. Tu es Kelly, c'est ça? On se connaît pas, je suis Brian. Bonjour. Écoute, Yann n'est pas d'une grande sensibilité, ça je le sais. J'étais avec lui au jardin d'enfants et déjà toutes ses fiancées pleuraient. Quoi? Il a sûrement voulu rendre Lee jalouse. Écoute, j'ai pas envie d'en parler. Oui, je comprends. Tu sembles être une fille gentille, alors. Gentille et stupide. Non, faut pas dire ça, Kelly. Faut pas te rabaisser comme ça. Y a pas un type qui le vaille. En particulier Yann Hall. Bah, tu vois, comme tu veux. Et t'es déjà allé au web? Quoi? Le web, c'est très cool. C'est un café génial. Ils ont plein d'ordinateurs. J'aime bien y travailler. On pourrait peut-être y aller, tous les deux? Peut-être, oui. Super. Kelly? On n'est pas tous des salauds. Salut, maman. Salut. Oui, allô? Oui, attendez une minute. Kelly? C'est Will. Salut, Will. Salut, Kelly. Je voudrais que tu m'excuses pour hier. Ça va, je te pardonne. C'est bon, t'inquiète pas. C'est Kelly, on peut se voir ce soir? Ce soir? Ce soir, non, mais demain, on peut travailler ensemble les examens. D'accord, ça marche. Génial. Salut. Salut, à demain. Qu'est-ce qu'il te voulait? Rien du tout. Je file à la bibliothèque. Je t'attends à la maison à 9h30. Tu t'inquiètes trop, maman. C'est le rôle des mamans. Beau. Va t'installer à l'étage, je vais aller te chercher un verre. Qu'est-ce que tu veux boire? Soda citron. Ça marche? Oh, Kelly. Qu'est-ce que tu fais là? J'attends un ami. Je me baladais sur le site de Shakespeare. J'ai trouvé des trucs géniaux. Voilà ton soda citron, Kelly. Ah, merci. Bon, je te laisse aller. C'est qui? Il est dans ma classe. Il est bizarre. On s'assoit? Je dois rentrer à 9h30. Ma mère me croit à la bibliothèque. Tes parents sont divorcés? Non, mon père est mort. Pardon, je suis désolé. Quand? L'an dernier. Ça doit être dur. Oui. Lorsque mes parents ont divorcé, mon père est parti à Los Angeles. C'est pas comme s'il avait disparu pour toujours, bien sûr, mais... il me manque beaucoup. Il vient te voir souvent? Non, c'est moi qui vais le voir là-bas. Le plus souvent l'été, mais c'est cool, il a un bateau, on va jusqu'au Mexique. Enfin, on l'a fait une fois seulement, mais... J'adore tes cheveux. Oh, moi, je les aime pas. Non, tu as tort, ils sont jolis. Merci.
À toi. Santé. Bon, ben je vais rentrer. J'ai fait quelque chose de mal? Non, rien, t'as été génial. On se voit à l'école? Ouais. C'est ça. T'attends pas la réponse. Oh, pardon, excuse-moi. Tu sais qu'accrocher des vêtements sur un cintre, ça ne les abîme pas. Ce n'est qu'une suggestion. Maman, ce sont mes vêtements et c'est ma chambre. Qu'est-ce qui ne va pas? Y a quelque chose dont tu veux me parler? Non, pourquoi? Eh bien, je trouve que tu es très... Je suis fatiguée. Désolée, excuse-moi. Ce n'est rien. Faites beau rêve. Je te déteste. Je te déteste. Ouais, je sais. Bon, écoute, je suis en retard, j'ai cours, alors un de ces jours. Brian! Mais Kelly, tu me lâches, tu entends? Tu me lâches et tu dégages. Qu'est-ce que c'est que ces insanités? J'en sais rien. Mais tu sais qui a fait ça? Il faut qu'on parle. Là, tout de suite, j'ai une réunion, mais viens me voir à mon bureau demain à 8h. Je compte sur toi. Oui. À demain. Ah, te voilà. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. C'est pas ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Oh, c'est pas utile que tu le saches. Je t'en prie, vas-y, dis-le-moi. La rumeur dit que Yann et Brian ont parié qu'ils arriveraient à coucher avec toi. Comment ça, parier? Oui, parier, $50, je crois. Et ils disent qu'ils ont réussi. C'est pas vrai. Je sais, oui. C'est ce que j'arrête pas de dire à tout le monde. Mais tes nouvelles, alors, ils trouvent ça drôle. Ces deux-là, ce sont de vrais porcs. Hé, mais il y a répétition. J'ai oublié mes patrons à la maison. Je reviens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi a-t-on écrit pute sur ton casier? Je n'en sais rien. Aucune idée? Non. C'est écrit avec du rouge à lèvres. C'est une fille? Tu ne veux pas en parler, c'est ça? Il y en a d'autres qui en ont assez parlé. De quoi? Je suis sortie avec un mec. Oui, avant on disait flirter. Il s'est remis avec sa fiancée. Tu crois que ce serait un acte de vengeance de ta rivale? Oui, peut-être. Ça te fait de la peine qu'ils se remettent avec elle? Non, ça ne me fait rien. On est sortis qu'une fois. Alors pourquoi ces insultes? Ça n'a pas de sens. On a fini, j'ai un contrôle de maths. Une seconde. Je voudrais te donner ça.
C'est un journal, page blanche. Écris, dessine, tout ce que tu voudras. Je devrais vous le montrer? Seulement si tu le souhaites. Bien. Si x au carré est égal à 9, alors que sera r? Mademoiselle Yang, nous travaillons dessus depuis des semaines, c'est facile. Oui, c'est elle qui est facile. Bon, mademoiselle Yang, j'attends une réponse. Pardon, quelle était la question? Pourquoi venez-vous à ce cours si vous ne faites pas vos exercices? C'est pour un autre genre d'exercice, Grégory. On peut savoir ce qui vous fait rire? Mais enfin, mais qu'est-ce qui vous prend? Kelly, où allez-vous? On arrête de rire, on se concentre. Papa. Papa, c'est moi, tu m'entends? Je sais pas pourquoi je fais ce que je fais. Je sais que c'est mal. Je sais que c'est mal. Mais c'est plus fort que moi, alors je le fais quand même. Avoir l'impression d'être aimé, ça fait du bien. C'est comme si le monde s'ouvrait sans tristesse et sans larmes. Mais après, c'est horrible. Je me sens si seule. Je ne peux rien dire à maman, c'est trop difficile. J'aimerais tant que tu sois là. Pourquoi tu nous as laissés? Tu n'as pas de devoirs à faire? Ils sont faits. Sois gentille, aide-moi à faire la salade. Tu as eu une bonne journée? Oh, j'ai une vente qui a été annulée. Et toi, ta journée? Aussi nulle que la tienne. Que s'est-il passé? Rien. J'ai du mal à résoudre un problème. En maths. Moi aussi, j'étais nulle en maths au lycée. C'est ton père qui faisait toujours les comptes. Il était doué, lui. Maintenant, je m'attends à le voir passer la porte. Moi aussi. On arrête. On ne pleure plus sur notre triste sort pendant au moins 24 heures. Tu es d'accord? D'accord. On mange quoi? Du saumon. C'est excellent pour toi. Ça nourrit les neurones allergiques aux maths. Ça y est, t'as fini? Fixe la manche et c'est fini. Je n'ai bien sûr tenu aucun compte des rumeurs. Quelles rumeurs? Ce qu'on dit sur toi et Yann. Je suis contente que Yann m'ait dit la vérité. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit que tu l'avais provoqué, mais qu'il n'avait pas été intéressé. Mais si, il était intéressé. Oui, c'est ça, était intéressé. Aou! Écoute, Kelly, c'est simple. Tu sors avec qui tu veux, mais pas avec lui. Y a un problème? Tu es le dernier, tu peux monter là-dessus. Il faut que je coupe, il y en a trop. Fais attention, coupe pas tout. Alors ne bouge pas. Faut pas écouter Lee.
C'est une vraie sorcière quand elle s'y met. Je la connais. Je dois faire semblant d'être amoureux d'elle, mais ça n'a rien de facile. Ah oui? Elle n'a pas d'âme, pas de profondeur. Si elle en avait, elle serait une bien meilleure actrice. Écoute-moi, quoi qu'elle t'ait dit, tu oublies. Merci, Justin. Pourquoi? Pour m'avoir remonté le moral. Tu es différente de Lee. Comment ça, différente? Tu es meilleure. Quelqu'un pourrait venir. Tu as dit que j'étais le dernier. Suis-moi. Où ça? Suis-moi dans la loge. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Si après tu me prends dans tes bras. Promis. Une boîte géniale, tu viens? Allez, viens, je vais pas te manger. T'as l'air vraiment d'avoir besoin de t'amuser. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Viens. Allez, monte. Je t'effraie, c'est ça? Je t'effraie, c'est ça? Non. Qu'est-ce que j'ai dit, ça va pas? Salut maman, c'est moi. Il est presque 9h30 et... je vais rester tard à l'école, j'ai du travail sur les costumes. Je rentrerai après. Salut. Il est plus de 11h. Je peux savoir ce qui t'arrive, Kelly? Rien du tout. Tu ne t'en tireras pas comme ça. J'étais morte d'inquiétude. J'ai toujours morte d'inquiétude. Évidemment, je m'inquiète pour toi. Je n'ai pas envie de recevoir encore un coup de fil de la police en pleine nuit. Tu crois que je ne me souviens pas de cette nuit-là? J'aurais préféré être dans la voiture avec lui. Ne redis jamais une chose pareille, Kelly. Est-ce que tu as compris? Je te l'interdis. Oh, non, lâche-moi. J'ai l'impression de ne plus savoir qui tu es, ma chérie. En ce moment, je vais pas bien, c'est tout. Alors parle-moi, je ne supporte pas ce silence. Je suis de ton côté, je t'aime, ne l'oublie pas. Maman, je voudrais seulement aller dormir, il est tard. Très bien. Je t'aime, maman. Je sais. Je t'aime, moi aussi. Thank you.
Je suis contente de voir que tu l'utilises. Je t'ai attendu dans mon bureau hier et tu n'es pas venue. J'avais pas le temps. Si peu le temps que tes notes sont en chute libre. Allez, viens, il faut qu'on parle. Je suis au courant de ce que disent les rumeurs. Qu'est-ce qu'elles disent? Tu t'es fait une sacrée réputation. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-le-moi. Le risque de maladies sexuellement transmissibles augmente avec le nombre de partenaires. On dirait une publication des services de santé. Ça te rend aussi vulnérable à la méchanceté des gens. Ils sont d'une cruauté terrible. Réponds-moi. Tu aimes le sexe? Oui, parfois. Tu trouves ça satisfaisant? Assez. Tu cherches la tendresse. La sensation. Tu ressens quoi? Le vide. La sensation de ne rien ressentir. Comme quoi? Kelly. Je voudrais arrêter, mais je sais pas comment. Chaque fois que je me sens seule ou déprimée ou triste, je vais avec un mec, n'importe lequel, sans réfléchir. On dirait une droguée. Tu es en manque et tu ne sais pas de quoi. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, tu dois retrouver ta propre estime. Ensuite, tu dois dire à ta maman ce qui t'arrive. Pourquoi? Parce qu'elle est ta mère et qu'elle doit savoir. Comment ne pas me détester? Tu devras te reconstruire petit à petit. Les choses ne changeront pas en une nuit. Évite d'être dans des situations où tu te sens mal. Ne fais que ce que tu sens être bon pour toi. Je n'arrive jamais à savoir ce qui est bon pour moi. Jamais? Enfin, pas depuis que mon père est mort. Il s'est endormi au volant, en revenant d'un voyage d'affaires. Et alors il a percuté une voiture. Elle venait en sens inverse. Il y a eu 3 blessés, mais lui seul a été tué. Où étais-tu quand c'est arrivé? Endormie. Je dormais quand le téléphone a sonné. Ça va aller. Ça va aller. Vous ne direz rien à ma mère, s'il vous plaît. Non. Tu le diras à toi. Bientôt. Salut. Je suis allée voir les élèves de la classe de couture et les costumes seront prêts dans une semaine. Ce qui nous laisse une semaine pour faire les retouches. Oh, quelle idiote. J'ai oublié mon agenda. Tu veux voir le mien? Non, je regarderai celui d'Uri. Kim. Écoute, il semble que j'ai un problème avec les garçons. Tu m'étonnes. Mais je vais essayer de m'en sortir. Vraiment, je suis désolée, Kim. Je voulais pas te faire souffrir. Tu es la seule amie que j'ai eue depuis longtemps. Pour moi, c'était un rêve, pas un petit ami. Salut, Will. Hé, j'ai réfléchi, je vais changer de partenaire. Pourquoi? Parce que vous ne travaillez pas assez. C'est moi, c'est ça? Non. Bon, toi et Kim, vous restez ensemble. Moi, je trouverai un autre partenaire. Non, on devrait continuer tous les trois. Oui, pour toi, c'est facile à dire. Tu l'as déçu. Ça s'annonce bien. L'opération porte ouverte est dans 3 jours. Oui. Dommage qu'il n'ait pas remodelé la cuisine. D'accord. Au revoir. Maman, j'ai oublié mon livre de chimie dans mon casier. J'en ai besoin pour mes devoirs. J'ai un rendez-vous. Tu n'as qu'à prendre ma voiture. Tu es sérieuse? Tiens. Merci. Désolé.
Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis élève ici, tu te rappelles? Je voulais dire si tard. Je suis allé voir la répétition, pourquoi tu n'y étais pas? Je fais les costumes, je ne joue pas. C'est ce que j'aime chez toi. Tu es ce que tu es, tu ne fais pas semblant d'être autre chose. Waouh, waouh, waouh. Où est-ce que tu vas? Arrête. J'étais venue chercher mon livre de chimie. Maintenant, je rentre. Tu avais envie de me voir ce soir? Non. J'avais envie de te voir, moi aussi. Tu t'es montrée si gentille l'autre soir. Ça suffit, tu me lâches maintenant. Comprendre que la version de ce jeune homme est très différente de la tienne. Je comprends surtout qu'il ment. Tu n'étais pas consentante. Il m'a violée, mais pourquoi vous ne me croyez pas? Je voudrais bien me croire. Mais que va-t-il se passer? N'en sais rien. Si nous n'avons pas plus de preuves, c'est un cas classique. La version de la fille contre celle du garçon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est ta parole contre la sienne. Son avocat va rendre publique toute ton histoire sexuelle sans l'ombre d'un remords. Il fera tout pour t'embarrasser et t'humilier. Mais Yann, on l'a violée pourtant. Je sais, mais sans preuve et sans aucun témoignage, nous sommes sûrs de perdre. Je ne vous cache pas qu'elle va souffrir durant le procès. Oh, elle souffre déjà. Nous allons trouver un moyen de coincer ce salaud. On s'en va, Kelly. Maman, tu veux un peu de chocolat? Non, merci. Tu avais déjà fait l'amour avant ça, là-bas, à Redwood? Maman, j'ai pas envie d'en parler. Je m'en fiche, Kelly. Que tu le veuilles ou non, on va en parler. Tu aurais pu tomber enceinte ou attraper le sida. Mais j'ai rien. On a toujours fait attention. Il y en a eu combien? Est-ce que tu peux me le dire? Combien que tu ne connaissais même pas, Seigneur? Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Je croyais qu'il m'aimait. C'est pitoyable. Tu ne te feras pas aimer en couchant avec n'importe quel petit crétin qui aurait envie de toi. Maman, je sais que c'était stupide, je le sais. Ces derniers mois, j'étais malheureuse. Je n'étais plus moi-même. Mais pourquoi tu n'es pas venue m'en parler? C'était trop dur. Je suis désolée. Oh, Kelly. Écoute-moi. Ce que tu as fait était stupide, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que toi, tu es stupide ou que ta vie s'arrête aujourd'hui. Tout le monde fait des erreurs. C'est grâce à elle qu'on apprend à devenir meilleur. Maman. Oh, mon bébé. Maman, je ne retournerai pas à l'école. C'était déjà épouvantable avant. Ils vont tous dire que je l'ai cherché. Mais c'est faux, maman. Je te jure que c'est faux. J'ai tout arrangé. Kelly n'aura pas à venir en classe pendant 2 semaines. Vous pourrez prendre et rapporter ses devoirs et moi je les ferai parvenir ensuite aux enseignants. Et après ces 2 semaines? On verra, ça dépendra d'elle. Je veux bien parler avec elle quand elle le voudra, mais je crois qu'elle a besoin de l'aide d'un vrai professionnel, et vite. Ce n'est pas un hasard ce qui est arrivé. Vous connaîtriez quelqu'un en particulier? Je connais quelqu'un, oui. Je vous aurai un rendez-vous. Merci. Kelly a toujours été un peu réservée avec les autres, même avant la mort de son père. Comment a-t-elle pu se mettre dans une situation pareille? Vous ne croyez pas qu'elle ait été violée? Non, ce n'est pas ça, je la crois. C'est bizarre, on dirait que vous essayez de vous en convaincre. Un jour, vous avez devant vous une personne qui fut votre enfant, votre bébé, le plus précieux trésor de votre vie, et vous ignorez qui elle est. Et ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle fait lorsqu'elle est loin de vous.
Vous venez de vivre une année difficile. Oh, atroce serait le mot juste. Je sais que vous devez ressentir de la colère, mais... Pourquoi ne serais-je pas en colère? D'abord, mon mari est tué dans un accident. Puis nous déménageons, ma fille couche avec tout ce qui traîne dans les environs. Pour finir, elle se fait violer. Ah oui, c'est vrai, je suis en colère. Oh, je suis désolée, ce n'est pas contre vous. Ce n'est rien, je sais ce que c'est. Vous voulez boire quelque chose? Oui, merci, un double scotch avec de la glace. Je n'ai que de l'eau ou du thé. Alors, ce sera du thé. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils disent à l'école? J'avais déjà couché avec lui, il n'y a pas de quoi en faire une histoire, c'est ça? C'est à peu près ça, oui. Je sais qu'ils ont eu tort. Ça m'est égal ce qui s'est passé avant. Il est plus grand, plus fort que toi et je suis sûre qu'il t'a forcé à le faire. Merci, Kim. Qu'est-ce qu'il en pense, Will? Il sait pas où il en est. Ah bon? Pourquoi? Il avait le béguin pour toi, alors il sait plus quoi penser. J'espérais qu'il me croirait. Ça viendra. Bon, je dois y aller. On se téléphone, Kelly. Ouais. Salut. Salut, Kelly. Qui aurait dit qu'on se reverrait ici? Ne m'approche pas! Oh, je veux te parler. Tu vas m'écouter. Je sais que tu ne me crois pas. Mais je t'assure que je voulais pas te faire de mal. J'avais envie de toi et j'ai cru que toi aussi, tu avais envie de moi. Lâche-moi, Yann! Il n'y a pas que toi qui souffres dans cette histoire. Je t'en prie, écoute-moi. Et peut-être qu'on arrivera à régler ça ailleurs que devant un juge. Je ne veux rien régler avec toi, Yann. Tu m'as violée. Oh. C'était un de tes paris, ça aussi. Jamais tu le prouveras. Jamais tu le prouveras. Tout ce que tu vas faire, c'est foutre nos vies en l'air. Lâche-moi, dégage! Réfléchis, Kelly. Réfléchis à ce que tu fais. Tu penses que pourrait faire parler son ex-petite amie? Sûrement pas. Elle me déteste. Il faudrait un miracle pour faire arrêter ce garçon. Pas un miracle, un témoin. On devrait peut-être laisser tomber. Et le laisser s'en sortir comme ça? Je sais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, dans un cas tel que celui-ci, il est parfois utile que la victime passe au détecteur de mensonges. Je ne veux pas. C'est hors de question. Mais pourquoi pas? Parce que je dis la vérité. Alors tu n'as aucune crainte à avoir. Alors je dois retourner au tribunal. Vous devriez y réfléchir. Vous me rappelez? Au revoir. Au revoir. Kelly, je crois que tu devrais le faire. Passe ce test pour convaincre ceux qui ne te croient pas. Tout le monde enfin saura que tu dis la vérité. Convaincre qui, maman? Si j'avais refusé de passer ce test, tu te demanderais encore si je dis la vérité? Moi, j'ai toujours su que tu disais la vérité, mais j'avais peur que les autres pensent autrement. Allô? Kelly, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Il ne te reste plus beaucoup de temps. Qui était-ce? Yann. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas ce qu'il a dit, c'est comment il l'a dit. Est-ce qu'il t'a menacé? Il l'a déjà fait une fois à la plage. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit, chérie? C'est assez. Ça suffit. Alors? Tu connais l'expression « la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre » ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Que le père est aussi monstrueux que le fils. Je lui ai dit que si Yann n'arrêtait pas de te menacer, je porterais plainte pour harcèlement. Il a dit « si vous faites ça, c'est vous qui serez accusé de le harceler ». Qu'est-ce que tu as dit ? Je lui ai dit « parfait, quand votre fils se retrouvera devant le juge, peut-être qu'enfin il dira la vérité pour une fois ». Et j'ai claqué la porte. Génial, maman. On ne se laissera pas impressionner, ma chérie, je te le promets. Kelly! Will! Tu travaillais? Je viens de voir d'histoire pour demain. Quand est-ce que tu vas revenir à l'école? Je n'en sais rien. Je vais peut-être changer d'école. Je sais que tu penses que je suis une imbécile d'être sortie avec quelqu'un comme Yann. Non, c'est faux.
C'est vrai que j'ai été un peu surpris. Je te crois, tu sais. C'est vrai. Tu ne penses pas que c'est lui que je vais croire? J'ai eu du mal à comprendre comment tu avais pu le laisser profiter de toi. Sans doute que je ne m'aime pas beaucoup. Moi, si. Enfin, je veux dire, à ta place, je m'aimerais bien. Bon, je rentre. J'ai un devoir de français à faire. Will, je voudrais qu'on reste amis. Viens voir la pièce samedi soir. Après, Kim, toi et moi, on pourrait sortir et manger un truc, si ça te branche. Je suis pas sûre d'être prête à revoir tous ceux de l'école. Tu as fait les costumes. Tu dois venir. Je vais y réfléchir. Alors, chérie, comment ça s'est passé? Plutôt bien. C'était une thérapie de groupe ou un tête-à-tête? Groupe. Ils sont tous très atteints. C'est très embarrassant de se dévoiler devant eux. Je sais, mon cœur, mais tous ceux qui sont là ont vécu la même chose que toi. Et ça va t'aider de les entendre. C'est ce que dit le docteur. Rappelle-toi qu'on n'avance qu'un pas à la fois. Je sais. Et tes devoirs, tu t'en sors? Oui. J'ai croisé Will, mon partenaire de labo. Il m'a proposé de venir voir la pièce à l'école. Et tu crois vraiment que c'est une bonne idée? J'ai peur que ce soit difficile. C'est d'abord ce que j'ai pensé. Mais je me suis souvenue de ce que tu as dit. On ne va pas se laisser impressionner. J'ai fait les costumes. Oui, il a raison, je mérite d'y être. Si je n'y vais pas, alors Yann aura gagné. Vas-y, tu as raison. Tu es là. Salut. Salut, on se voit tout à l'heure, je vais chercher les places. Tes costumes sont extraordinaires. Tous, ils sont géniaux. On voit ça encore une fois, Johnny. Avant le lever du rideau, tu vérifies que tout le monde est en place. Je compte sur toi, surtout ceux qui se trouvent côté court, parce que la dernière fois, on les voyait pas de la salle. En scène dans 10 minutes. Je vais voir la vente des billets. Tu as fait un travail super sur les costumes. Merci. Bon, attends. Ça se découle. Je vais prendre ma boîte. Tu m'attends une seconde? On va y aller. Je voulais que tu saches que tu m'as rendu service. Je pense que rompre avec Yann a été pour moi une excellente chose. Je suis désolée pour ce qui s'est passé cette nuit-là. Je me souviens pas. Tu veux dire que tu me crois? Je suis désolée, c'est tout. Lee, si tu sais quelque chose, quoi que ce soit, dis-le-moi. Tu portes plainte contre lui. Je le voudrais bien. Il faut que j'aie un témoin ou quelqu'un à qui il en aurait parlé. Je ne peux rien faire pour toi. Tu as vu ce qui s'est passé. Écoute, rompre, c'est une chose, mais aller à la police... Si tu as tout vu, tu vas pouvoir témoigner? Non, c'est hors de question. Et plus tôt tu oublieras cette histoire, plus tôt tout le monde le fera. Non, comment veux-tu que je puisse oublier? Comment veux-tu que je laisse les autres oublier? Si tu sais quoi que ce soit sur Yann Hall, aide-moi. Je t'ai dit que j'étais désolée. Je ne peux rien faire pour toi. 5 minutes! 5 minutes, tout le monde! Allez, on se remue! Dépêchez-vous, on se dépêche! Bonne nouvelle. Ça nous aidera peut-être. Au moins, vous êtes sûr qu'elle dit la vérité? Vous venez une seconde. Je dois vous quitter. On en parle tout à l'heure. À plus tard. Diane, deux des amis de Grant Hall ont appelé aujourd'hui. Ils nous retirent leur clientèle. Ils ont parlé d'une sombre histoire. Vous accuseriez le fils de Monsieur Hall? Qui c'est celui-là, le maire? C'est quelqu'un de très influent dans l'immobilier. Ce qui est arrivé à ma fille est mauvais pour les affaires. Je ne vais pas vous demander de retirer votre plainte, oh, mais... Ce serait inutile. Tout notre travail repose sur du relationnel. Nous sommes soumis à ces contraintes. Je sais, Kurt. Et comment espérez-vous que j'en tienne compte? Vous connaissez Kelly? Elle a vécu l'enfer à la mort de son père. Puis l'enfer d'être violée. Vous ne pensez quand même pas que je vais aller la voir et lui dire on oublie toute cette histoire? Si c'est un problème pour la compagnie, je comprendrai. Je trouverai un autre travail. Non, non, restez. Je suis très content de vous. Et j'espère que tout s'arrangera. Merci.
étiez géniaux. Bravo, les enfants. Merci à tous. Merci. Bravo, les enfants. Formidable. Oui, vraiment, vraiment. Deux minutes. Non, je vais avec les tu autres. Tu viens, je te dis de venir. Lâche-moi. C'est ça, mais si tu crois pour qui? Laisse-moi tranquille, Yann. Kelly? Maman! Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais venue voir tes costumes. Ils sont magnifiques, ma chérie. Merci. Voici Kim et Will. Ravie de vous connaître. Kim? Bonsoir, madame. Will? Il y a une petite fête après. On serait content que vous veniez. Merci, mais je dois préparer un travail urgent pour demain matin. Amusez-vous bien. Merci d'être venue. Bravo, je suis fière de toi. Au revoir. À tout à l'heure. Elle est belle. Elle est gentille. Alors, où est-ce qu'on va? Cap sur le web. Attention. Tu ne vas quand même pas changer d'école, Kelly. Si le procureur décide de poursuivre, je reste. J'espère qu'il le fera. Elle. Oui, et pas seulement parce que j'ai pas envie que tu changes d'école. Je sais. Excusez-moi. Je voulais te dire bravo. Merci. C'est vrai. J'ai vu quelque chose. Quoi ? Après la répétition, je suis allée à ma voiture. Tu as vu ce qu'il m'a fait ? J'arrivais pas à le croire. Je voulais pas croire que Yann... Comment as-tu pu rester là sans rien faire, sans bouger, sans venir m'aider ? Je n'en sais rien, je crois. Je voulais peut-être le protéger. J'étais terrorisée. Je ne savais plus ce que je faisais. Lee, tu dois aller voir la police. C'est trop dur. Non, j'y arriverai jamais. Lee, tu dois aller les voir. Ou sinon, un jour, il s'en prendra à une autre fille en pensant qu'il en a le droit. Oui, bonjour, j'écoute. Maman? Lee Eversol a tout vu ce soir-là. Elle était sur le parking, elle a tout vu. Tu en es sûre? Oui, et elle dit qu'elle va témoigner. Tu imagines ça? On a un témoin. Je dois te laisser à ce soir. Merci. Vas-y, vas-y. Génial. Yann Hall, venez avec nous, je vous prie. Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en état d'arrestation pour le viol de Kelly Hall. Non, non, non. Brian, le droit appelle de mon père, dis-lui de prévenir l'avocat. Vous ne savez pas ce que vous faites, madame. T'inquiète pas, j'appelle tout de suite. Je voudrais en premier lieu attirer votre attention sur le fait que Yann Hall n'a pas défloré Kelly Young. Et nous vous démontrerons au cours des débats qu'en aucun cas il ne l'a violée. Kelly Young n'avait rien d'une innocente jeune fille en entrant à Carfield. Elle savait se servir de son expérience avec les jeunes hommes pour obtenir d'eux exactement ce qu'elle voulait. Mon client l'a invitée à sortir un soir. Et lors de ce premier rendez-vous, à sa grande surprise, ils ont fait l'amour. Moins d'un mois après, et sur son insistance à elle, ils ont recommencé. Et voilà, mesdames et messieurs, que mon client est maintenant injustement accusé de viol. Kelly Young était une adolescente troublée, pour qui le sexe était une sorte de compensation à un manque évident d'estime d'elle-même. Cependant, avant d'avoir été brutalement violée par Yann Hall, elle avait reconnu son problème et tenté de le résoudre. Mais la défense voudrait nous faire croire que du jour où une femme est sexuellement active, n'importe qui peut lui faire n'importe quoi quand il le souhaite sans qu'elle n'ait rien à dire. Il est pour certains évident qu'une femme ayant ce genre de réputation n'a plus le droit de se refuser ou même de se plaindre si elle est forcée d'avoir des relations sexuelles contre son gré. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Naturellement, un jeune homme tel que Yann Hall peut aller satisfaire la moindre de ses envies. Il n'est pas ridiculisé, il est admiré et même envié pour ses conquêtes sexuelles. La vérité, c'est que Kelly Young a consenti à avoir des relations sexuelles avec Yann Hall une fois. La seconde fois, elle a dit non, il l'a brutalement violée. Kelly est ici aujourd'hui pour que justice soit faite. Et pour cela, elle accepte de se mettre dans une position extrêmement vulnérable. Quel que fût son passé,
Elle est aujourd'hui prête à assumer l'entière responsabilité de ses actes et de son existence. Afin d'être sûre que Jan Hall ne violera plus personne. Comment ça se présente? Ça ira. Je vois où ils veulent en venir. Je sais comment les contrer. Seulement, rappelle-toi, Kelly, le plus important, c'est de garder ton calme. Ils vont mentir, ils vont exagérer, ils vont tout faire pour que Jan ait l'air d'un enfant de cœur et toi d'un démon. Excusez-moi. Oui? Tu plaisantes? Pourquoi? Oh, je vois. Merci. C'était mon assistante. Lee Eversol a décidé de ne pas témoigner. Quoi? Lee? Kelly, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu as changé d'avis? J'en ai le droit. Je veux savoir pourquoi. Arrête, tu perds ton temps, je ne te dirai Yann rien. Yann t'a menacé, c'est ça? Non. Non, tu comprends? Arrête! L'affaire! Alors, tu as parlé à la police? Ils sont venus me voir. Non, c'est pas ce que j'ai entendu dire. Lâche-moi, Yann, tu me fais mal. C'est rien à côté de ce que je te ferais si tu te pointes à l'audience, tu as compris? Tout ce que tu as à faire, c'est venir à l'audience et dire la vérité. Yann ne pourra pas te faire de mal. T'exagères, je te fais pas risquer la tôle en refusant de venir. Non, mais tu mets en danger chaque fille que Yann pourra rencontrer. Pas toutes les filles. Tu es en danger, toi aussi, sinon tu ne ferais pas sale. Laisse-moi tranquille. Alors tu seras assignée à comparaître. Alors je mentirai. C'est du parjure. Ça m'est égal. Bien. Kelly, voulez-vous dire à la cour pourquoi vous êtes venue à Seattle? Mon père est décédé et ma mère a été mutée dans un autre bureau. Depuis quand est-il décédé? Depuis 10 mois. Vous étiez proche de votre père? Oui, très proche. Alors, peut-être qu'en ayant des relations intimes avec des garçons, vous recherchiez l'affection que vous donnait votre père. Objection. On oriente le témoin. Retenu. Et vous reconnaissez avoir consenti à faire l'amour avec Yann lors de votre premier rendez-vous? Oui. Pourquoi avez-vous désiré avoir des relations sexuelles avec lui si rapidement? Je crois que je voulais seulement être aimée. Vous vous êtes sentie proche de Yann? J'ai cru que ça nous rapprocherait. En fait, non. Mais j'avais l'impression d'avoir le contrôle. De quoi? De ma vie. J'étais à ma place. Et le soir du 20 mars, vous avez eu aussi l'impression de tout contrôler? Non. Pas du tout. Qu'avez-vous ressenti cette nuit-là? La peur. Je l'ai supplié, je lui ai dit d'arrêter, mais il a continué. Mais c'est à qui tu t'adresses? Il m'a traîné jusque dans sa voiture et il s'est couché sur moi. Non! Arrête, Yann! Non! J'ai essayé de le repousser, arrête, mais il était trop lourd. Après, c'est le trou noir. Non! Le trou noir? C'est comme si j'avais quitté mon corps. Vous avez déjà eu cette sensation auparavant? Une fois. Quand? Je sais que c'est douloureux pour vous, Kelly. Mais quand avez-vous eu l'impression de quitter votre corps? La nuit où ma mère m'a réveillée. Et qu'elle m'a dit que mon père venait de se tuer en voiture. Merci. Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. Bien, Mademoiselle Young, durant ces 4 derniers mois, avec combien de garçons avez-vous couché? Objection! Retenu. Monsieur le Président, vu les circonstances, quelques éclaircissements sur la vie sexuelle de Kelly Young me semblent absolument nécessaires. Alors, reformulez la question, Maître Ritt, mais faites attention. Mademoiselle Young, croyez-vous qu'avoir des relations sexuelles avec plusieurs partenaires en un seul mois est un signe d'immoralité? Probablement. Oui ou non, j'apprécierais une réponse plus nette. Oui. Merci. Je n'ai plus de questions. Retournez à votre place, Mademoiselle Young.
Je m'en sortais bien jusqu'à ce que l'avocat Diane m'interroge. Tu as été parfaite, ma chérie. Tu as fait du mieux que tu pouvais. Et c'est tout ce qui compte. On a déjà perdu, de toute façon. Mais tu ne dois pas parler comme ça. Maman, même si Lee disait la vérité, il pourrait ne pas la croire. Il t'a fallu beaucoup de courage pour venir à l'audience. Et je ne pense pas que moi j'en aurais eu autant. Tu as su affronter tes problèmes. Et en ce qui me concerne, tu as déjà gagné, quel que soit le jugement. Vous avez eu des relations sexuelles le premier soir, comme ça, sans vous connaître? Oui, maître. Nous allons passer les détails intimes et en venir tout de suite au 20 mars. Que faisiez-vous devant les casiers de l'école à 7h du soir? J'étais venu prendre des affaires et c'est là que j'ai croisé Kelly. Avez-vous un jour considéré Kelly Young comme une fiancée possible? Non, jamais. Pourquoi? On ne s'engage pas avec ce genre de fille. N'importe qui l'aurait. Objection. Retenu, le jury ne devra tenir aucun compte de cette réponse. Yann, est-il vrai que votre petite amie ait rompu avec vous le 20 mars au soir, juste avant que vous agressiez ma cliente? Objection, ce sont des ragots. Rejeter, c'est recevable. Répondez à la question, monsieur Hall. Il arrive qu'on se dispute, mais on se remet ensemble. Malgré tout, vous deviez être très en colère qu'elle veuille rompre avec vous à nouveau. Et peut-être avez-vous décidé d'aller avec une fille pour vous venger, une fille que vous considériez comme une pute. Objection, ce sont des suppositions. Retenu. Et puis-je vous faire remarquer que vous avez déjà objecté ce terme tout à l'heure? Oui, je le retire. Connaissez-vous la différence entre une relation consentie et un viol? Oui. Quelle est la différence? Dans l'une, les deux partenaires sont d'accord. Et dans le viol? Une personne force une autre personne contre son gré. Avez-vous déjà forcé une personne à avoir des relations sexuelles contre son gré? Non. Une étude scientifique récente démontre que 2 jeunes garçons sur 3 pensent qu'un homme a le droit d'avoir des relations sexuelles avec une femme contre sa volonté. S'ils en ont déjà eu auparavant. Êtes-vous de cet avis, monsieur Hall? Non. Donc vous ne croyez pas être en droit d'avoir des relations sexuelles avec une femme sous le prétexte d'en avoir déjà eu avec elle? Monsieur le Président, mon client a déjà répondu à cette question. Ce n'est pas la même question, monsieur le Président. Répondez à la question, monsieur Hall. Non. Je veux dire, uniquement si elle est d'accord. Je te jure que j'ai eu envie de hurler, il n'a pas arrêté de mentir. Tu t'es contenu, c'est bien. Tiens, mange. Ça va te réconforter. Maman, pourquoi papa s'est endormi au volant? Tu sais pourquoi? Il travaillait trop dur. Ça allait mal dans sa boîte et il faisait tout pour essayer de remonter la pente. Je lui disais tout le temps qu'il en faisait beaucoup trop. Mais il ne m'écoutait pas. Pourquoi tu ne l'as pas obligé? Il faut que tu arrêtes de me parler de tout ça, Kelly. Toi aussi, ça te fait du mal. Rien ne serait arrivé si papa était encore en vie. Mais tu crois qu'on a le contrôle sur tout ce qui peut nous arriver? Crois-tu que ce soit une vie de pleurer sur son sort tout le temps? Il y a parfois des choses qu'on doit accepter, et d'autres contre lesquelles il faut se battre. Et c'est pour ça que je suis très fière et heureuse que tu te dresses devant Yann Hall. J'espère que Lee dira la vérité. Souhaitons-le. Monsieur le Président, j'appelle à venir témoigner devant la cour Mademoiselle Lee Everson. Ce soir-là, avec Yann, on s'était disputé. Que s'est-il passé? Et il m'a poussé dehors, il était très en colère, il m'a reproché de passer trop de temps en répétition en disant que ça m'éloignait de lui. Alors, je lui ai dit de me lâcher et puis ça a été fini. Lee, vous lui avez demandé de vous lâcher quoi? Mon bras. Quand il est furieux, il m'attrape toujours par le bras et il serre très fort. Et il fait ça souvent? Oui. C'est n'importe quoi. À quelle heure la répétition s'est-elle terminée? À environ 7 heures. Je suis allée au parking. Et qu'avez-vous vu, Lee, en allant à votre voiture? Rien. En arrivant. Ensuite, j'ai vu Yann et Kelly. Non! Yann! Arrête! Je sais à qui tu t'adresses! Ah! Que faisait-il? Je t'en prie, lâche-moi! Ça ne faisait qu'une heure que j'avais rompu avec lui et déjà, il lui faisait l'amour. Kelly est jalouse. Consentante. Je n'en sais rien. Avez-vous entendu ce qu'elle disait?
Avez-vous entendu Kelly Young dire quelque chose ou pas? Lee, vous n'avez rien entendu, pas un seul mot? Je ne suis pas sûre. Réfléchissez bien. Avez-vous entendu Kelly? Non! Lâche-moi! Non! Non! Oui, je l'ai entendu. Et qu'est-ce qu'elle disait? Non. Elle disait, non, arrête, je t'en prie, Yann. Qu'est-ce que vous pensez que Yann Hall faisait à Kelly cette nuit-là? Je n'en sais rien. Si, vous le savez. Qu'est-ce que Yann était en train de lui faire? Il l'a forcé à... À faire l'amour? Oui. Kelly Young a-t-elle essayé de résister? Oui. Alors selon vous, en tant que témoin oculaire des faits, Yann Hall était-il en train de violer Kelly Young? Il me faut une réponse. Avez-vous vu Yann Hall frapper et violer Kelly? Oui ou non? Nous sommes très, très contents du verdict. C'est un message qu'il délivre à notre communauté. Il est clair qu'un homme ayant des relations sexuelles avec une femme ne lui donne pas le droit de la forcer à en avoir chaque fois qu'il le souhaite. Oui, mais... Excusez-nous, mais je crois que ma cliente a besoin de repos. Prenez soin de vous. Non. J'espère que tu es fière de toi, Kelly. C'était difficile, mais tu t'es battue de toutes tes forces et tu as gagné. Tu crois que papa aurait été fier? Oh, je sais qu'il l'aurait été, ma chérie. Il me manque tellement. J'espère que là où il est, il sait que je vais m'en sortir. Il le sait. Il t'aime. Et moi aussi.